50 grammes pendant la nuit, donc normal. Le bébé panda, on le pèse tous les jours, le matin et le soir. Son poids, en fin de compte, évolue comme des montagnes russes, on va dire, des petites montagnes russes, ce qui est tout à fait normal. Et le but, c'est que les montagnes russes, petit à petit, elles montent. Il a l'habitude, il sait ce qu'on lui demande. On l'attire avec ce qu'on appelle une target, c'est-à-dire un petit bâton avec du miel dessus, il adore ça. Depuis sa naissance, il n'y a vraiment pas eu d'anomalie. Les vétérinaires ont vraiment suivi aussi son poids et son poids par rapport à d'autres pandas du même âge. Et il est vraiment dans la norme, dans les bons pandas, les bons gros bébés pandas, quoi. Une perte de poids, ça voudrait dire qu'il y a peut-être eu effectivement une anomalie. Donc du coup, les vétérinaires sont alertés aussitôt et à ce moment-là, on fait une prise de sang, on va le palper et voir si tout va bien. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de soucis vraiment depuis le 4 août l'année dernière.